Pas le moindre des sujets, c'est une offensive idéologique qu'il faut mesurer dans les politiques éducatives portées par Macron et Blanquer. Ils avancent des réformes importantes qui sont en contradiction complète avec l'objectif de la réussite de toutes et tous. Ces réformes s'attaquent frontalement à cette perspective en organisant une individualisation accrue du rapport au savoir et une responsabilisation renforcée des élèves dans leur parcours scolaire. Le projet éducatif de Macron et Blanquer est orienté par une idéologie libérale assise sur des poncifs et des vieilles lunes, maintes fois remises en exergue. L'autonomie, la responsabilisation, le mérite, l'individualisation, et en fait qui a pour vocation finale d'organiser le tri social des élèves. La réforme de l'accès à l'université avec Parcoursup est de ce point de vue éclairant. Plutôt que d'investir dans le supérieur, qui nécessiterait donc un tout autre budget, pour assurer la réussite et l'accès de tous à l'université, c'est l'organisation du tri en mettant en œuvre des prérequis, des attendus pour la poursuite d'études. C'est donc la place du bac comme premier grade universitaire qui est remise en cause.